بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الخامس من دورة تعلم مايكروسوفت أكسس 2016. سنتطرق إن شاء الله في هذا الدرس إلى كيفية إنشاء واستعمال لسو فورميلير. أن سو فورميلير هي تو سامبلومون أن فورميلير انسيري دونز أن أوتخ فورميلير. جو في ترافيي توجور سيغ لا باز دوني كونديدا. فوالا نوتخ فورميلير كونديدا. Donc, il contient ici les informations sur le candidat. Je vais ajouter ici un sous-formulaire qui va contenir les notes de chaque candidat. Donc, si par exemple, si je choisis ici un candidat, donc ces notes seront affichées ici. Pour cette raison, je vais utiliser un sous-formulaire et je le place ici. Donc, pour créer un sous-formulaire, toujours, je vais cliquer sur « Créer ». Assistant formulaire. Ici, je vais choisir les notes et je vais déplacer les champs ici. Donc, suivant. Cette fois, je vais choisir une disposition tabellaire. OK. Pour organiser mon travail, je vais nommer ce formulaire SF. Note. Fermé. Donc voilà, notre formulaire a été affiché. Donc je vais mettre en forme ce formulaire. D'accord? Clic droit. Donc je vais mettre ces champs dans une disposition pour faciliter l'utilisation. Donc je vais choisir ici une disposition tabellaire. Comme ça. Donc je déplace ce champ je vais supprimer les espacements entre les lignes donc je sélectionne les champs et je cherche ici les marges soit les marges inférieures, supérieures les marges intérieures, etc. je vais le mettre à 0 donc c'est d'accord. Et je vais serrer le tableau comme ça. Je vais renommer ces étiquettes. Donc, c'est maintenant. Donc la note serveur. Je vais donc centrer le texte. Comme ça. Donc choisissez une couleur pour le texte. Je vais choisir comme ça. La couleur des bordures. Le format compteur spécifie l'épaisseur du compteur. Et ensuite, je vais spécifier la couleur. Pardon. Je vais spécifier la couleur comme ça. Donc, j'enregistre et j'affiche. Donc, si j'affiche comme ça, donc je vais afficher ici le code candidat, l'ID candidat, le code de la matière et la note serveur. Donc, comme vous voyez ici, c'est pas pratique d'afficher le code de la matière. D'accord? Je vais afficher ici le nom de la matière. Pour résoudre ce problème, donc je clique ici sur le CD Maths, ça veut dire le code de la matière, remplacé par zone de liste tyrolienne. Donc je vais choisir ici données contenues. Je cherche la table matière. Je sélectionne ici le CD matière et la matière. D'accord? Et je ferme. Je passe ici sur le format. Je spécifie ici qu'il s'agit de colonnes. La première colonne, la largeur est 0. Séparée par, pardon, séparée par point virgule. Et je vais mettre par exemple pas 4 centimes pour la deuxième colonne, c'est le nom de la matière. D'accord?
Si j'affiche, c'est le nom de la matière qui va être affichée à la place code matière. Je passe au formulaire principal, de clic droit, mode création. Je fais comme ça et je vais glisser, déposer ce formulaire. Donc glisser, déposer ici. D'accord? Je supprime cette étiquette. D'accord. Si j'affiche, donc comme vous voyez, ici c'est les informations concernant le candidat et à droite sont les informations concernant les notes. D'accord? Sont les notes de ce candidat. Si je passe, les notes sont automatiquement changées. D'accord? Lorsque vous travaillez sur ce formulaire, un paramètre est obligatoirement nécessaire pour que ce formulaire fonctionne bien. Donc, ici, je clique ici sur ce formulaire, je cherche l'onglet Données et la valeur du champ ID candidat qui se trouve sur l'interface ou sur le formulaire principal. Et le champ Fils, c'est l'ID candidat de ce formulaire. Donc, c'est une liaison obligatoire entre un formulaire et un sous-formulaire. Donc, cette liaison a été créée automatiquement. Pourquoi? Parce que ici, dans les relations, nous avons défini ici une relation entre notes et ID matière. Donc, Access reconnaît automatiquement cette relation. C'est pour cela qu'il a créé automatiquement cette liaison. Donc, maintenant, je peux supprimer ce champ. Je n'ai pas besoin ici. Très bien. Je redimensionne le sous-formulaire. Je peux ici éliminer cette barre de déplacement dans le sous-formulaire. Donc je vais fermer ce formulaire ici. Oui, je sélectionne ce formulaire note, mode création. Je cherche ici, je cherche bouton de déplacement et je modifie sa valeur ici, comme ça. D'accord? Enregistrer et fermer. Voilà. Je peux par exemple ici supprimer, on sait jamais supprimer par exemple la langue arabe. Donc, je sélectionne grâce à ce sélecteur et je clique sur le bouton supprimer du clavier. Si je vais ajouter ou je vais saisir une note, par exemple, je sélectionne la langue arabe, je tape une note, par exemple, 15. Très bien. Donc, la note, elle est sur 20. Je dois ajouter une contrainte sur la note, ça veut dire la note soit entre 0 et 20. Pour ne pas, par exemple, avoir des notes comme ça, par exemple 30, je retourne sur la table source. C'est la table note. Je vais chercher ici, sélectionne le champ note et je vais chercher valide si. Donc cette note, elle est valide ici. Il est entre 0 et 20. D'accord. J'affiche le formulaire à nouveau. 31. Donc, un message d'erreur va être affiché grâce à la contrainte que nous avons ajoutée tout de suite. Par exemple, si je veux ajouter un candidat, un nouveau candidat, donc je clique sur Ajouter.
Les notes. Donc, je sélectionne ici la langue arabe, français, anglais, histoire géo, maths, SVT par exemple, physique, éducation islamique et philo. D'accord? Par exemple, je vais du 6h ici 13, 12. D'accord.